But here is your starting grid for qualifying heat one, mini rookie. Isaac El Haouti from France starts on pole position. Will be joined by the Netherlands' Denver Boz on the front row. Sem Sazlik and Amin Pantoli are on row number two, with Marcus Engenassen and Eloi Wassoné on row three. Jack Harney and Nori Falconi on row four, with Toby Terhaar and Mathis Piesens rounding out the top ten. Current championship leader Memphis Schaumann is on the inside of row number six, joined by the 937 of Louis Paternot. Manoa Laurent and Lorenzo Sambur round out row seven. Warren Burma and Liam Buckley round out row eight, ahead of Dorian Grandjean. Philippe Massau, Luc Lé and Axel Linders rounding out the top 20. Completing the 26-strong grid will be Maxime Van Krijn, Luterio Fernandez, Oscar Bermers and Tim Feldman, Basile De Decker. And it's got to be a bit of a charge from the back of the field for the 974 from Belgium, François Collignon. Well, really good to hear from Noah Grenier, saying it's not his favourite kind of layout. But, mini rookie, this is exciting. It's the young chargers, the superstars of the future, that are front and centre here, Guillaume. Absolument, la catégorie des mini rookies, donc, qui prend possession du karting de la métropole avec... une catégorie d'âge entre 7 et 10 ans, la porte d'entrée, le premier niveau d'approche du championnat de Belgique de la spécialité. Nouvelle catégorie donc instaurée en 2021 déjà, au sortir d'une période de troubles qui a permis toutefois au karting de se revigorer à l'échelon belgo-belge, Benelux et international, avec l'ajout d'une nouvelle catégorie d'âge pour permettre aux jeunes de découvrir la compétition, d'apprendre le métier, de se forger une réputation et de gravir les échelons. Et un pilote là-bas en difficulté à l'extérieur de votre écran, qui s'est retrouvé en tête à queue juste avant le virage numéro 6, mais qui heureusement pour lui parvient à se remettre dans le droit chemin. Il va devoir cravacher toutefois pour rejoindre le peloton. Voilà, vous l'avez vu passer à l'instant. Le voilà justement, ce malheureux pilote là-bas. On n'a pas eu l'occasion de voir si c'est un accrocheur avec un autre pilote, ou alors s'il est parti tout seul à la faute après avoir fait chauffer ses pneus de manière un peu trop vigoureuse. Quoi qu'il en soit, le voilà qui reprend sa place à la queue du peloton. 9 minutes plus an additional lap to get the qualifying heat stages underway for mini rookie here at the Circuit de la Métropole here in Austricourt in northern France. Out of the final corner, revs rise, lights are on, lights are out. Oh no, hang on, it's going to be I saw one driver waving, it's a false start, first one of the meeting. Eh bien voilà comme quoi tout arrive, il aura fallu attendre le dimanche et la deuxième course au programme pour avoir un deuxième départ. Jusqu'ici, nous avions eu un total de 25 courses, chers amis, 26 si on compte celle juste avant, depuis vendredi avec les seniors et les juniors. Et tout s'était relativement bien passé, en tout cas, pas de deuxième tentative. Comme quoi, il faut toujours en avoir un petit peu durant un week-end, ça fait partie du décor et ça demande évidemment aux jeunes pilotes de la catégorie de s'appliquer dans la tâche de la procédure de départ. On peut mettre ça sur le compte d'une certaine inexpérience de la part des mini-rookies, forcément ce sont les plus jeunes de la compétition. C'est donc dans ce cas-ci Isaac El Haouti, le poleman de France, qui doit donc garder tout le monde sous un certain rythme, passer la ligne rouge. C'est important pour lui évidemment de faire ça dans les règles de l'art, mais parfois évidemment, n'ayant pas l'habitude de ce genre de procédure, on peut être tenté d'accélérer trop tôt ou de ne pas se ranger convenablement, et dans ce cas-là, les pilotes derrière peuvent se plaindre, ce qui a été le cas ici. Maybe a little bit of impatience settling in, because I did see our race director on the outskirts of turn number five saying, right, slow down. Yes, it's hot. Yes, it's uncomfortable. But this is part and parcel of karting. Right, second time of asking. Out of the final corner. Revs rise. Lights are on. And here we go. Lights are out. We're underway. And it's four wide going into turn number one. Oh, they are definitely chomping at the bit. But as they make their way through turn number two, it's two by two maybe. Look, they're fanning out now. This is getting a bit close for comfort. Three wide outside of the bottom part of the top ten, as nearly four wide coming through the exit of turn number three. But it looks like El Haouti has made a good start as they come through into turns five and six, up the slight incline, then six and seven into the very, very sharp right-hand hairpin here at eight before this chicane. Now, they are on the 60cc mini engine with the Comet K1D tyres. And again, abrasiveness. I can definitely, we've just hit 25 degrees Celsius and we are now at 5 to 2 in the afternoon. The temperature yesterday was a bit more
serene. Today, it's brutal. And these drivers are going to have to just push themselves a little bit beyond the limit as El Haouti, after this lap, has now got a 2 and a bit tenth of a second advantage. Fastest lap of the race so far, 1 minute 6.8 dead. Et on est ici, chers amis, et bien dans le troisième tour déjà de cette manche qualificative, avec encore 7 minutes 30, plus une boucle dans cette confrontation de la catégorie Mini Rookie, sous le commandement de Isaac El Haouti, avec 2 dixièmes d'avance sur Denver Vos, Tsem Zalik en 3e position, 4e place pour Marcus Egan Hansen, Amin Pantoli 5e depuis la 4e place sur la grille de départ. C'est Amin Pantoli, donc on s'en souvient, le jeune pilote français qui s'était mué en premier vainqueur de la saison. C'était donc sur le karting des Fins de Marienbourg à l'entame du championnat. Memphis Kerman en 6e place, 5 positions de remontée. Et attention, changement pour le leadership. Denver Vos qui attaque dans le virage numéro 12, juste avant la descente et l'entame de la chicane. Et changement de leader avec Isaac El Haouti qui n'a pas opposé de résistance. Évidemment, on est encore tôt dans cette épreuve. Les voilà qui repassent devant notre position. Denver Vos, le numéro 287 en tête. Et ils attendent de contre-attaquer. Il y a eu une touche, j'ai l'impression. Oh, que c'était chaud là-bas. Petite hésitation dans le chef de Isaac El Haouti. Et conséquence de cela, il a perdu du terrain. Il pourrait se voir rejoindre par ses poursuivants. Tsem Zalik, Marcus Egan Hansen, Amilan Pantoli et Memphis Kerman qui lui mettent la pression d'entrée de jeu. Et contact, je pense, entre ces trois-là à la sortie du virage numéro 3. Brilliant move there by Amin Pantoli as he actually got through on Marcus Egan Hansen, who tried to make the move on the parallel in of Tsem Zalik through turn number 3. The Norwegian went a little bit deep. Pantoli went, right, okay, I'm going to go on the inside. Had the line nailed perfectly through turn number 4. But yeah, Denver Vos, you know, making that opportunity work when El Haouti made a little bit of a slight error. But look, there's a change for third. Well, that Zalik pass by Pantoli. Pantoli is on a charge and only has the two in front to deal with 5 and 3/4 minutes to go, plus an additional lap. This first mini rookie heat is definitely on the rise. Definitely on the rise, as Isaac El Haouti made certainly a slight mistake of judgment trying to get back into position in turn number 1, something you don't usually do that easily. Gonna have to try that again. Et à l'intérieur, justement, ça continue de se battre avec le numéro 905 là-bas. C'est Marcus Egan Hansen au volant du châssis Falcon qui a tenté de se défaire de Tsem Zalik pour la 4e place. Denver Vos, pendant ce temps-là, eh bien, tente de creuser l'écart. 4 dixièmes d'avance sur le poleman Isaac El Haouti. On le disait un petit peu prétentieux, je n'ai pas envie de dire, mais en tout cas, il a pris un risque, peut-être un petit peu osé, d'aller chercher la corde du virage numéro 1 à pleine charge pour tenter de se défaire de son adversaire. L'expérience aussi, la patience, vous dicterait d'attendre, pourquoi pas, le freinage appuyé du virage numéro 3 pour tenter une manœuvre. Ça peut arriver. En tout cas, il s'est rendu compte que sa première tentative n'a pas vraiment porté ses fruits. Et il s'est retrouvé et se retrouve eh bien, dans les phares de Amin Pantoli. Duel franco-français dans les Hauts-de-France, ici pour le gain de la 2e place et peut-être même de la 1ère, puisque Denver Vos eh bien, est à portée de fusil. Ça va nous donner une belle bataille à 3 pilotes d'ici quelques instants, pourquoi pas même 4, puisque Tsem Zalik revient très très fort. Une seconde, une de retard sur le leader, et attention, ça tente de passer à la corde là-bas. Eh bien, ils n'ont pas froid aux yeux, nos jeunes pilotes de la catégorie Mini Rookie. C'est ce qu'on aime, évidemment, à cet âge-là. On est encore assez frais, assez brut de fonderie. On aime prendre des risques, on ose tout. Parfois ça paye, parfois ça casse, mais jusqu'ici en tout cas, un niveau de compétition très très relevé. Chaque place vaut son pesant. Et Denver Vos pendant ce temps-là mène le bal. Amin Pantoli qui se rapproche très très fort de Isaac El Haouti. Ces deux-là devraient, si j'étais eux évidemment, tenter de se porter mutuellement vers l'avant pour aller tenter d'attaquer le leader. Sans quoi, eh bien, le pilote néerlandais va prendre la poudre d'escampette. Pantoli qui tente de passer à la chicane. Oh, première tentative, légèrement loupée puisque la porte s'est refermée directement. La première d'une autre, la deuxième peut-être à l'épingle, à la corde. Et la porte était largement bien ouverte. Pas de résistance outrancière de la part d'Isaac El Haouti. Et voilà pourquoi il tente de contre-attaquer au virage suivant. Et ça passe pour Haouti. Superbe foire d'empoigne entre les deux Français. And Tsem Zalik just went around the outside of Amin Pantoli, who was, you know, there was a little bit of fair rubbing there. It was sporting, but there was a little bit of contact. So Pantoli just wide. Zalik straight up the inside. And that's Marcus Egan Hansen that just went round the outside of Amin Pantoli at full velocity through turn number 1. How's about that for a show, folks?
Voilà, à nouveau une tentative et un dépassement dans le virage numéro 1. Il faut dire aussi que ces pilotes sont au volant d'une machine un peu moins large, un peu moins lourde que leurs concurrents des autres catégories, leurs collègues des autres catégories, devrais-je dire. Donc, ça leur permet, vu la largeur de la piste, eh bien, pourquoi pas de se glisser à l'intérieur plus facilement de la trajectoire. Les vitesses de passage aussi sont un peu moins élevées, vous en doutez, que pour leurs collègues plus âgés. Il n'empêche, il faut toutefois oser y aller là-bas à pleine charge et tenter de prendre l'avantage, d'autant plus que eh bien, ce n'est pas un bac à gravier, mais c'est la pelouse qui vous accueille si vous risquez de sortir trop large dans ce premier virage. Ça se resserre au niveau du peloton alors que les deux leaders eh bien, commencent à creuser l'écart entre eux. On va refaire le pointage avec 2 minutes 30 et un tour restant jusqu'au drapeau à damier. Denver Bosch, le pilote néerlandais qui repasse devant nous, devant donc Isaac Alaouti. 8 dixièmes d'avance pour le pilote néerlandais sur le français. Marcus Engen-Hansen, 1 seconde 4 de retard et qui mène à un petit peloton où l'on retrouve Tom Zalik, Amin Pantoli et Mathis Pinsens. Pantoli sous la pression du pilote Fusion Motorsport et les deux passent coup sur coup juste devant Marcus Engen. Tom Zalik, Amin Pantoli, 3 et 4 respectivement. Nice little battle there. It did seem like Engen-Hansen might have just left the door open because he's got Mathis Pinsens closing right on in the 979 from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing as they exit out of turn 7. Into the right at 8 before this very, very big chicane that you need to be committed through. One of the things that I'm seeing a big difference from yesterday is that the mini rookies, Pantoli looking up the inside of Sam Saslik, gets through. And that is now past the Parolin chassis. And so Pantoli, again, just trying to make moves here or there. We're coming down to the last minute and a half, plus an additional lap of this first heat for mini rookie. But Demda Boz is being closed in on by Isaac Elhaouti. Amin Pantoli rounds out the top three as Engen-Hansen goes through at turn one on Saslik for fourth place. And look at the floodgates have opened. Mathis Pinsens being charged in on by Jack Harney, who's just got through before the apex of turn number three. Great work by the youngster from Ireland, Eloan Poissonnier and Louis Paternotte are also in the mix. So this train is starting to expand in terms of numbers. Eloan Poissonnier, qu'on attendait peut-être à plus belle fête, en tout cas dans cette première manche. Lui qui s'était montré eh bien, parmi les plus rapides ce matin lors des séances non qualificatives avant la qualif. On verra ce qu'il en sera pour Eloan Poissonnier qui rejoint le reste du peloton. 27 secondes encore et puis nous atteindrons eh bien, les deux derniers tours de cette épreuve, chers amis. Avec Denver Bosch, 4 dixièmes d'avance toujours sur Isaac Alaouti. Rien n'est joué pour les places d'honneur mais également pour la victoire puisque nous entrons ici dans l'avant-dernier tour, chers amis. Devin Bosch, Isaac Alaouti, la bataille pour les lauriers dans cette manche qualificative. La première de deux, ce n'est pas grand-chose, évidemment, comparativement à ce qu'on a pu voir en junior. Ils en avaient trois chacun, en senior, 5 manches pour se départager, collecter des points et eh bien, se garantir une bonne place de départ sur la grille de la finale. Ici, 2 courses, c'est très, très peu. Ça vous laisse donc eh bien, presque aucun droit à l'erreur pour nos différents concurrents. C'est le cas pour chacune des classes, donc pas de favoritisme à ce niveau-là. Denver Bosch et Isaac Alaouti qui sont toujours en train d'en découdre juste devant Marcus Engen-Hansen, Tom Zalik. On attend de voir éventuellement si l'un ou l'autre de ces pilotes va oser dans le dernier tour franchir l'écueil. Allez, pourquoi pas prendre cette petite dose de risque en plus qui lui permettrait de gagner une place. Et Pantoli semble garder Marcus Engen-Hansen en respect pour l'instant. So, timer has expired as a little bit of a look up the inside of turn number 11. By Elaouti, but Denver Boz is going to lead the field down into the chicane for the penultimate time. This time around, it's going to be dernier tour, last lap in the first mini rookie heat here at Austricourt. Denver Boz has a slender lead. Elaouti is closing on in. 10th and a half was the gap going on to the last lap of this race. Lap number 10 through into turn two. Boss was looking over the right shoulder. Elhaouti up the inside through at turn number three and they make contact. And Denver Boss is off the road and that's going to give Pantoli and quite a few others behind the opportunity to get through. Oh là là, le désastre malheureusement pour Denver Boss. On ne s'est pas compris à la sortie de l'épingle du virage numéro 3. Et malheureusement, Boss qui avait course gagnée pour ainsi dire dans ce dernier tour face à Isaac Alaouti, eh bien, dégringole le classement au profit du pilote français. On verra ce que les officiels diront de cette séquence. En attendant, le drapeau à damier d'ici quelques instants avec Isaac Alaouti en tête de cette épreuve.
Le classement qui s'est donc établi au passage du drapeau d'Amiens après officialisation, évidemment, alors que le dernier franchissement de la chicane d'ici quelques instants. Je pense même qu'il y a eu un petit chamboulement d'ailleurs au niveau du classement, toutes mes excuses, avec le drapeau d'Amiens et qui donc accueille, eh bien c'est bien Amine Pantoli, donc j'avais mal vu, toutes mes excuses. Amine Pantoli donc qui remporte cette première manche. Isaac Alaouti en conséquence de l'incident, eh bien, arrête de regarder la première à la troisième place derrière Marcus Egan Hansen. Donc voilà, double punition en quelque sorte dans cet incident malheureusement. D'une part, Isaac Alaouti qui n'aura pas l'occasion de prendre la victoire, troisième, et Denver Boss qui franchit la ligne d'arrivée en dixième position. Aïe, il y aura certainement à redire de ce qui s'est passé dans ce dernier tour, mais un qui peut remercier le ciel de cette opportunité, de ce cadeau qui lui tombe tout cuit dans la bouche, eh bien, c'est Amine Pantoli, le jeune pilote français, le pilote vainqueur donc, de la manche d'ouverture à Marienbourg, et qui commence ce week-end de la meilleure des manières. Victoire pour Amine Pantoli, Marcus Egan Hansen deuxième et Isaac Alaouti en troisième position. Amine Pantoli from France continues the run form that started. Back at the final in Marienburg, where he picked up the round one victory, finishing just over 6 tenths of a second ahead of Marcus Egan Hansen. Isaac El Haouti, after contact with Denver Boz, would end up rounding out the top three. Memphis Schurman, the points leader, made up 7 places to finish fourth ahead of Mathis Piesens. Then Sam Saslik, Jack Harney, Louis Peternot, Elouan Poissonnet, and Denver Boz rounding out the top 10. Toby Terhar, Philippe Massau, Ryan Burma, Lorenzo Sambua, Manuel Laurent, Nori Falconi, Liam Buckley, Maxime Von Krein, Iterio Fernandez, and Oscar Bermers rounding out the top 20. Axel Linders, Luc Lay, François Collignon, Tim Feldman, Dorian Grandjean, and Basile De Decker round out the finishing order, all completing every single one of the 10 laps.